Ah bah bravo, bravo! Moi, pendant que j'étais en train de me dire, rapport à la dernière vidéo, que les Tarnais, c'est quand même une population hyper sympa, malgré une moyenne d'âge de 86 ans, qu'est-ce que j'apprends? Hier, c'était dimanche. Et le dimanche à Toulouse, c'est comme toute la semaine à Limoges. Tu te fais chier. En plus, maintenant, j'ai un gosse. Ah bah un gamin, c'est 30 minutes de plaisir pour 30 ans de galère. 25. Oui, 25 minutes, oui. Secondes. Oui, voilà. Douche comprise. Ouais, c'est bon. Ouais. Du coup, j'ai lu l'article Que faire le dimanche sur Actu Toulouse. J'aime bien le site Actu Toulouse, parce que j'aime bien les actus et j'aime bien Toulouse. Bah, j'aurais aimé par exemple les actus et le Nord-Pas-de-Calais, je serais allé sur le site de Faites Entrer l'Accusé. Parce qu'avant, quand j'avais pas de gosse, le dimanche, c'était je me lave pas, canapé, pyjama, série télé. Et je regardais Téléfoot. Le PSG a gagné, normal. Marseille a gagné, normal. Le TFC, normal. Bref, quand t'as un gosse, faut trouver des trucs à faire. Dès 7h du mat. Alors que t'es pas réveillé et que t'es en train de tartiner ton iPhone avec du Nutella. Alors que faire le dimanche à Toulouse? Bah tu peux aller à la forêt de Boucone, où tu marches entre des cadavres de bouteilles et des cadavres. Y a quoi les musées? Si, il y en a un musée qui est rigolo, c'est le musée Georges Labitte. Labitte. C'est cocasse. Sinon tu peux aller jouer à la pétanque. Mais depuis qu'il y a un gars du club de Caraman qui a sorti son fusil pendant une partie. Moi j'ai un peu les boules. Tu tires ou tu pointes? Bouge pas. Oui bah tu vas surtout pointer à la prison de Seyss. Tu peux aller te balader à la ramée pour ramasser les glands. Mais attention hein, si le buisson fait psst psst et qu'il bouge, c'est que le gland est vivant. C'est cocasse. Le musée Georges Labitte. Tu peux aller au stade voir le match. Ah, on s'est peut-être trompé de stade, non? Moi souvent, avec mon gosse et ma bonne femme, on va au marché Victor Hugo. Parce qu'on aime bien les produits frais. On va chez Vincent ou au bar les amis. À la fin du marché, c'est nous qui sommes moins frais. Ah bah Victor Hugo, on finit misérable. Vanne intellectuelle. Le dimanche à Toulouse, c'est comme un jour de la Toussaint, mais à Mazamet. Tu vois un peu le truc? Sinon, si tu sais pas quoi faire le week-end prochain, il y a la foire du sud-est toulousain à Diagora Labège. Il y a plein de manèges gratuits pour les enfants et 60 exposants. Et je dis pas ça parce que c'est des copains qui organisent ça. Allez, bonne semaine et comme dirait Michel Drucker, vivement dimanche.